que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une superbe année 2018. Je vous souhaite vraiment plein d'amour, de bonheur, de joie, enfin tout ce que vous voulez, franchement. Pour celles qui ne regardent que mes vlogs, je vous l'aurais pas encore souhaité, donc je vous le souhaite vraiment. Voilà, c'est la reprise. On est mercredi, il est 10h05 et mon chéri vient de repartir au boulot. Hop, on remonte un peu le volet. Voilà, voilà, c'est la fin. On a passé de super fêtes de fin d'année, c'était vraiment bien. J'ai vraiment profité de ce moment pour me déconnecter de tout, des réseaux, etc. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Je suis requinquée à mort. Tout ce qui était fin décembre et tout ça, c'est passé. On n'en parle plus. Donc voilà, bon sinon, quoi de neuf au compteur aujourd'hui? Plein de petites choses à faire, hein, comme à la reprise. J'ai des courses à faire, mais j'irai cet après-midi. Ce matin, je vais vous tourner ma vidéo cadeau de Noël. Le sapin est toujours là. J'ai enlevé pas mal de déco de Noël, mais le sapin est toujours là. Je l'enlèverai à l'épiphanie, donc le week-end prochain. Sur les lèvres aujourd'hui, pour celles que ça intéresse, je porte un rouge à lèvres d'un kit. Vous savez, les kits en forme de bouche, là, de chez Huda Beauty. Et c'est le Trendsetter. Voilà, c'est un espèce de mauve, enfin de mauve, n'importe quoi, oh lolo, ça va plus bien moi. De marronné, marronné sympa, j'aime bien, nude marronné, j'aime bien. Donc voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo, promis. Et je me suis maquillée également avec la palette Huda Beauty. Bon, alors aujourd'hui, il fait un temps mitigé, il y a 6,5. Il fait beau, mais il y a un vent du tonnerre, on est en tempête, je ne sais plus le nom de cette tempête, mais on est en tempête. Donc moi je vous laisse, je vais filmer ma vidéo et je vous retrouve après. Bon, me voilà revenu des courses, je vous ai tourné la vidéo retour de course que vous verrez fin février. D'ailleurs vous n'aurez pas de vidéo retour de course en décembre parce que j'ai totalement oublié de les filmer. En fait j'ai fait très peu de courses. J'ai le hockey, désolé. J'ai fait très peu de courses en décembre et... parce que je voulais, je savais que j'avais mes courses pour le réveillon à faire. Et je voulais de la place dans le frigo et du coup j'ai vidé pas mal les placards, les frigos, le congélateur et tout ça. Je m'en suis très bien sortie comme ça, donc c'est pas plus mal de faire un peu moins de courses que d'habitude. Et du coup bah j'ai pas franchement de choses à vous montrer, j'y allais vraiment pour acheter que les essentiels quand il les fallait. Donc voilà, il y a Purti qui vient s'asseoir. Voilà, donc là j'ai filmé la vidéo retour de course d'aujourd'hui et je vous mettrai tout ça au bout à bout en fin de mois, ou en début février. Ça fait bizarre de se retrouver seule, j'ai eu l'habitude d'avoir mon chéri avec moi et là ça fait bizarre de se retrouver seule. Je viens de me faire passer un petit café, donc je vais me faire mon petit café en vous montant la vidéo des cadeaux de Noël que vous avez déjà vu la semaine dernière, mercredi dernier, puisqu'il n'y avait pas de log, donc je vais vous mettre la vidéo cadeau de Noël. Et voilà, donc après je verrai bien, je vais peut-être essayer de vous filmer une ou deux vidéos pour la fin de semaine, donc à voir, mais tout reprendra normalement quand vous verrez cette vidéo. Tout a repris normalement lundi, donc toujours en 2018, ce sera comme ça, comme c'était à peu près en 2017. Une vidéo le lundi, le vlog le mercredi, une vidéo le vendredi et une vidéo le dimanche en bonus, si j'ai l'envie et si j'ai le contenu. Voilà, donc pour l'instant, moi je vous laisse, je vais monter ma vidéo, boire mon café... Et puis après, on verra bien. Et il est déjà midi. Le temps passe trop vite. Pas facile de reprendre l'habitude de vlogger. Ça fait une semaine et demie que j'ai pas pris l'appareil. Donc j'ai un petit peu de mal. Là, la vidéo que je vais vous mettre en ligne aujourd'hui est en train de s'uploader. Je vais faire la miniature. Et après, je vais monter parce que j'ai des colis Vinted à préparer. Et les derniers envois des calendriers de l'Avent qui seront faits au plus tard mi-janvier. Mais tout sera envoyé. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Et puis je vous retrouverai après. Une fois que j'aurai tout fait. Bon voilà, tous mes paquets sont prêts, il reste juste les cadeaux des 23 et 24 du calendrier de l'Avent, non, oui 23-24, que je peux pas envoyer là tout de suite maintenant parce qu'il me faut des enveloppes, donc il faut que j'aille vendredi racheter des enveloppes. Là j'ai préparé, je vais vous montrer, toutes les cartes que j'ai reçues de Noël, de vœux, etc., de ce que je vous avais proposé d'envoyer. J'ai l'impression d'avoir des cernes énormes. Bref, c'est la lumière je pense. Et donc je vais m'atteler à répondre à ceux que j'ai pas déjà répondu. Il y en a beaucoup qui vont partir vendredi. J'ai quasiment tout préparé. Il y a un sac de courses là. Il est plein en haut avec les envois du calendrier de l'Avent. Quelques envois que je dois faire Vinted et les envois des cartes. Voilà, le sac est plein. Donc il faut que j'aille à la poste vendredi matin. Donc voilà. J'ai également préparé des dépôts à faire à la banque. Donc ça, il faudra que je le mène demain matin. Et voilà, donc j'ai ressorti mes cartes, j'ai sorti tout ça, je vais aller fumer une cigarette. Oui, je sais, c'est pas bien.
Mais bon, j'ai pas encore pris la bonne résolution 2018. Me faire un petit café, il est 16h39, je vais m'atteler aux cartes devant des vidéos YouTube. Rapidement, je vous montre un petit peu les cartes que j'ai déjà reçues. Donc, toutes celles-ci, j'y ai répondu. Donc, très très rapidement, c'est parce que j'ai pas tout montré en ouverture, en vlog, puisque y en a que j'ai reçu quand je n'étais, quand je vloguais pas. Donc voilà, pour que vous me dites, vous voyez un petit peu si vous repérez la vôtre, etc., etc. Il y en a des très 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 jolies. Il y en a faites main, il y en a non faites main, mais il y en a des très jolies. Voilà, voilà. Bon, bah, je me rends compte que c'est pas évident, si évident que ça, de reprendre le rythme. Oh, bah, la chérie, je voulais vous faire la vidéo de la... Ouf, je me le mets dans la tronche. La vidéo de la Birchbox, je l'ai reçue tout à l'heure. Et Birdie se demande que c'est... Non, ce n'est pas une ouf box, Birdie, tout n'est pas pour toi. Je vous disais donc que ce n'est pas si évident... Ça suffit, oui. Que ce n'est pas si évident que ça de reprendre le rythme de filmer. Je ne vous ai pas pris beaucoup aujourd'hui, j'essaierai de vous prendre un peu plus demain, on verra bien. Ce vlog sera petit, mais c'est un vlog de reprise, donc c'est pas plus mal. Donc, mon chéri rentre, il est... 20h, déjà 20h, oh, le temps passe trop vite. Donc je vous ferai la box, la Birchbox demain, puisque là je m'étais posée pour vous la faire, mais comme chérie ronde, je vais pas la faire là. Donc je vous la ferai demain, j'ai l'impression d'avoir le nez tout rouge. Voilà, voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne tout ce que vous voulez. Et puis nous on se retrouve demain, vous ce sera tout de suite. Bisous. Coucou mes chouquettes, il est 9h47, on est jeudi, je vais pas tarder à partir chez mes parents. Il pleut comme vache qui pisse aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bref, sur les lèvres j'ai mis le Stay Matte de chez Rimmel, très très joli, franchement j'aime beaucoup la couleur. Hop, voilà, il est vraiment très beau, c'est le 210 Rose and Shine et je l'aime beaucoup, je l'ai acheté hier, ça vaut 7,14€ dans mon Intermarché. Je vous dirai si il a bien tenu ou pas, voilà, je vous en dirai un peu plus dans la journée, mais en attendant pour le prix, je le trouve très joli et je trouve que il est assez sympa sur les lèvres. Bon, on va mettre le manteau de Birdie parce qu'il pleut très très fort et on va partir chez mes parents. Donc... Aujourd'hui j'ai mis la chemise que j'ai eue chez New Look, vous l'avez vu dans ma vidéo cadeau de Noël et je l'aime beaucoup 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 beaucoup. Voilà, et j'ai mis aussi des chaussures, attendez je vais vous montrer, je les ai achetées chez Landelli, c'est un chinois qui est, pour celle d'Amiens, qui est derrière Carrefour, enfin Conforama, je vous montre ça. Donc voilà les petites bottines avec des petits... J'avais acheté aussi des Derby parce qu'il m'en fallait, c'était la cata. Donc elles sont comme ça, je les ai trouvées très jolies aussi. Et mon mari voulait que je prenne avec semelle compensée. Donc voilà, bon allez, moi je vous laisse. J'y vais ce matin. Ce matin, il faut que j'aille à la banque, peut-être chez Nose. On verra bien. Bon, me voilà de retour à la maison. Comme vous pouvez le voir, le rouge à lèvres tient plutôt bien. J'ai mangé, donc forcément, ça s'enlève un petit peu, mais c'est plutôt pas mal. Je vais en remettre un petit peu pour dire pour l'après-midi. Je dois vous filmer quelques vidéos cet après-midi. Une, c'est sûr. Deux, peut-être, on verra bien. Tiens, Birdie a une petite faim. Je suis passée, hop, chez Nose. Donc, je pense que je vais vous tourner la vidéo de ce que j'ai trouvé chez Nose. Ouais, je pense que je vais vous tourner la vidéo. Je vais vous la montrer... Là, je ne sais pas encore, je verrai bien. Je vais me poser dans le canapé pour vous montrer ce qu'il y avait dans la Birchbox, tiens. Je vous fasse du ménage aussi. Alors, hop, posé dans le canapé. Alors, la Birchbox de ce mois-ci, elle est comme ça. Elle est plutôt jolie. Il y a Birdie qui vient me voir. Oui, non, c'est pas un carton pour toi. Allez, pousse, tu viendras après. Donc voilà, elle est comme ça, c'est écrit « Woman, woman, woman ». Il n'y a rien d'autre décrit en particulier dessus. Donc l'arrière, il est comme ça. Donc je vais ouvrir et on va regarder. Alors, il y a le petit magazine « Vos rendez-vous » de janvier. Alors, je pioche. 3 mois de coaching sportif offert. « I love my body, coach club et Birchbox ». C'est plutôt pas mal. Je vais regarder un petit peu. C'est pas mal. PS, derrière c'est marqué PS, n'oubliez pas que votre seule limite c'est vous-même. Et c'est bien vrai. Donc ouais, il y a 3 mois de coaching. Donc bah écoutez, c'est pas mal. Je sais pas combien ça peut valoir. Je pense pas que ce soit marqué dans le petit bouquin.
J'essaierai de regarder et puis je vous mettrai un petit peu le prix de ça parce que ça peut valoir le coup, je pense. Ensuite, nous avons de la marque Beaver. C'est une marque que je connais, Beaver Professionnel. C'est quoi? Tout est écrit en anglais, magnifique. Attendez, non, il y a du français là derrière. Shampoing pour cuir chevelu gras et à pellicule. Bah, c'est pas du tout mon cas. Donc ça, c'est pareil, je vais pas l'utiliser, mais c'est plutôt pas mal. C'est... Bon, bref, ça je vais pas l'utiliser, mais c'est plutôt pas mal. Et ça, ça vaut... Toc. Alors, les 300 ml font 16,92€. Et là, nous avons 60 ml. Ensuite, nous avons de la marque Olysé, comme ceci, Winter Bliss. C'est quoi? Shower Mousse. C'est un gel douche en mousse Winter Bliss, ça doit sentir bon. Une mousse de douche onctueuse pour une peau propre tout en douce et hydratée. Ok, donc ça fait comme une chantilly, je pense. Winter Bliss, bah écoutez, ça je suis contente, j'aime bien. Il y a combien de millilitres là-dedans? 50. Et qu'est-ce qu'ils nous en disent? Alors, les 50 ml font 3,40€. Ensuite, nous avons de la marque Kueshi. Kueshi, c'est une marque qui est souvent dans la Birchbox. Le Revitalizing Face Toner. Donc, c'est un tonifiant revitalisant pour le visage à l'aloe vera, à la camomille et au calendula. Attendez, je vais me poser pour éviter de bouger trop. C'est un 30 ml, donc un tonique revitalisant pour le visage. Moi, j'aime bien ces petites choses-là, donc pourquoi pas. Et les 200 ml font 8,93€, donc pas très très cher. Je trouve que ça va. Ensuite, nous avons... Ouf, c'est une toute petite boîte de la marque Acar Skin Ruby Tint Lip Butter, baume à lèvres organique et non toxique. Un 2 ml, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir. Attendez, c'est pas évident à une main. Hop. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit, c'est du baume à lèvres. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Par contre ça sent très très bon, ça sent les agrumes, ça sent très très bon. Ça pareil, je vais pas l'utiliser, je vous le mettrai en box cadeau, qui doit arriver normalement fin janvier je pense, parce qu'il y a pas mal de choses dans la box cadeau maintenant. Donc ça, hop, est-ce qu'il nous en donne un prix ou quelque chose là? Les 7 ml font 25,50€. Ah oui, quand même. Et là, on a 2 ml, je vous ai dit. Et le dernier produit de cette box, c'est de la marque Glove. Ça se présente comme ça, le Magic Pad Disque démaquillant en fibre pour un démaquillage en douceur uniquement avec de l'eau. Alors ça, j'aime bien. J'adore le packaging. Il est trop beau avec les flamants roses comme ça. C'est trop chouette. Trop sympa. Donc, on le voit derrière. Hop, attendez. Je vais ouvrir. Alors, et un je vous montre petit disque ça. Comme ça. Il est en microfibre tout doux, donc moi j'aime bien ces petits trucs pour se démaquiller, donc ça c'est cool. Et ça, est-ce qu'on nous donne un prix? Alors, là. Glove, alors c'est le gant démaquillant qui est à 10,97€, et moi c'est pas le gant que j'ai eu. Mais je suis, alors à première vue il n'y a que le prix du gant. Je suis contente de ne pas avoir eu le gant, parce que moi le gant personnellement, c'est pas trop mon trip, donc contente. Voilà, est-ce qu'on nous dit autre chose là-dedans? À première vue, il y a une édition limitée green avec et pourquoi pas Colin qui est à 34€ au lieu de 152€. Et elle a l'air assez complète quand même. Voilà. Elle a l'air assez complète. Et sinon. Le teasing de la prochaine box est Express Yourself. Le mois prochain, on compte sur vous pour être d'humeur créative. Et si vous vos explorations beauté vous permettez de mieux vous révéler, au fait, rendez-vous à la fin du mois de janvier pour choisir un des produits de votre prochaine box. Ça se passe dans votre boîte mail. Bon, il faudra que je fasse attention. Et c'est marqué derrière solde jusqu'à moins 50%. Exclu 10% de réduction sur tout votre panier des deux produits soldés achetés dès le 10 janvier. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, elle est pas magnifique magnifique cette box, mais elle est pas mal.
Voilà, elle est pas mal. Je pense que ça, ça peut sauver niveau tarif, mais elle est pas mal. Voilà, voilà pour la Birchbox. Bon, moi je vous laisse, je vais aller filmer quelques petites vidéos. Il y a Birdie qui a mangé et qui du coup a décrété que c'était l'heure du dodo. Voilà, donc moi je vais aller me filmer quelques petites vidéos. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais faire une vidéo produit fini et puis l'autre, bon, on verra bien. Je vais voir. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, je viens de vous filmer deux vidéos. La vidéo produit fini et une vidéo de mon haul nose. Je ne sais pas comment je vais vous les mettre en ligne, mais toujours est-il que là, je vais passer au montage. Je vais me faire d'abord un petit thé ou un petit ricoré, je ne sais pas encore, je vais bien voir. Et puis après, je vais passer au montage. Cet après-midi, au programme, je crois qu'il me reste quelques cartes à répondre, les montages, les mises en ligne. Et puis, évidemment. Pourquoi évidemment? Et puis, si j'ai le temps, mais il faudra que je trouve le temps, je vais faire un gâteau pour demain, pour amener aux amis. Voilà, je pense que je ferai un banana bread parce que j'ai des bananes qui sont bien mûres et qu'il faut que je les utilise. Donc voilà, j'adore les bananes, je suis dans ma forme, ma période banane en ce moment. Mais j'aime les bananes quand elles sont vertes, pas quand elles sont trop mûres, donc voilà mon problème. Bon allez, moi je vous laisse, je passe au montage. Hop, on met le café en route. À tout bon, à l'heure. Je vous ai tourné une autre vidéo aussi parce que j'ai reçu un partenariat Rose Gall et je vous ai fait un attente versus réalité. Il y a de très 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 bonnes choses dedans. Je pense que vous l'aurez vu quand j'aurai vu cette vidéo. Si c'est le cas, quand vous verrez cette vidéo, si c'est le cas, je vous le mets dans le petit i. Je vais vous monter la vidéo comme ça, ce sera fait. Et puis, je pense que pour le gâteau, aujourd'hui j'ai la flemme, donc je le ferai pas. Une fois que j'ai monté la vidéo, je vais regarder ce qu'on va faire à manger pour ce soir. Chérie va pas rentrer tôt, je pense. Puis après, je me poserai dans mon canapé avec un bon livre, ça va me faire du bien. Bon, je me marre pour deux raisons. La première, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, je monte ma vidéo et je mets dans le canapé avec un livre. Au final, j'ai monté ma vidéo, j'ai fait du ménage, j'ai aspiré mon tapis, j'ai passé l'aspirateur partout, je fais les sols demain, je fais toujours les sols le vendredi après-midi. Donc là, j'ai pas fait les sols, mais du coup, j'ai fait les sols partout, voilà. Enfin, j'ai fait l'aspirateur partout. J'ai regardé ce qu'on va manger ce soir, c'est des tortellini. Jambon, non, mozzarella, bacon et je ne sais plus quoi. Ça me va très bien, ça me donne envie, donc ce sera parfait. Là, je vais me faire un petit café. Je vais plus avoir assez d'eau. Et la journée, elle est déjà bien entamée parce qu'il est déjà 18h20. Je pense pas que Chérie va rentrer tôt, donc je pense que je vais encore être au moins 2 heures toute seule. 7, 8, ouais, pas avant 8h30, 9h, je pense, par rapport au planning qu'il m'avait annoncé ce matin. Donc voilà, voilà, hein. C'est comme ça. Demain au programme, je vais peut-être tenter de passer chez Action avec la carte cadeau qu'Aurélie m'avait offerte. La carte cadeau de 20€ qu'Aurélie m'avait offerte. Je vais peut-être passer chez Action pour voir un petit peu ce qu'ils ont. J'ai le rouge à lèvres qui part en cacahuète. J'ai pas arrêté de parler toute seule. Donc je vais peut-être aller voir ça, ou alors la semaine prochaine, je sais pas, je verrai bien. Sinon, écoutez, pas grand chose là pour aujourd'hui, pour finir la journée. Je pense que ce soir, je vais me coucher tôt. Enfin, me coucher tôt. Dans la limite, où veut dire se coucher tôt chez nous. C'est-à-dire que se coucher tôt chez nous, c'est 11h. Parce que, en général, ouais, on a du... Enfin, mon chéri a du mal à se coucher avant 1h du matin facile. Donc, se coucher tôt chez nous, c'est 11h. J'ai mis la petite bougie. Je ne sais pas si vous allez la voir là quelque part. J'y arrive pas. Je vais me rapprocher, ce sera plus facile. Là. C'est celle qu'Aurélie m'avait offerte dans notre calendrier de l'Avent. Donc, c'est la Christmas for Santa. Non, la Cookie for Santa. Qu'on trouve chez Stokomani. J'adore son odeur. Elle sent divinement bon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Sinon, écoutez, rien d'autre en particulier là tout de suite maintenant. J'ai rangé mes achats que j'ai fait chez Nose. J'ai rangé mon sac avec les cadeaux de Noël. Parce qu'il fallait ranger, il y a un moment faut ranger, hein, quand la vidéo est faite et tout et tout et tout. Je vous ai fait la vidéo hier, donc fallait ranger. Birdie est dans le canapé, hop, en mode décontracte.
décontracte. Tout à l'heure quand je montais ma vidéo, mademoiselle, ouh c'est flou. Tout à l'heure quand je montais ma vidéo, mademoiselle rêvait. Je vous dis, oui tu rêvais tout à l'heure. Coquine. Donc voilà, mon café est passé, je vais aller le chercher, je vous laisse pour l'instant, je sais pas si je vous reprendrai ou pas tout à l'heure, mais en attendant, à tout à l'heure ou à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, il est 10h10 et je vais aller sur Amiens comme tous les vendredis, j'ai mon sac avec les cadeaux du calendrier de l'Avent, des réponses à vos cartes, des trucs à envoyer, enfin voilà, j'ai plein de trucs à mettre à la poste et sur les lèvres aujourd'hui... Sur les lèvres aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez SLA que j'ai reçu d'Octoly. Il est très joli, j'aime bien. La couleur est un neutre rosé, mais il est très joli. C'est le Robe, le 21. Donc c'est un Lip Crush Liquid Matte Lipstick. Ceux-là, ils sont vraiment très jolis. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et franchement, ça tient bien, je les aime bien. Je l'ai reçu pendant que j'étais en semaine de vacances. Et j'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que la couleur est très jolie. C'est une couleur facile, passe partout. Et quand elle s'estompe, ça part bien. Donc ça, c'est cool. Donc hop, dans le sac à main. Et je vais y aller tranquillement, je vais mettre les doudous de Birdie dans le canapé et puis on y va. Et les boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles de chez Créa Bijoux. Pour bon voilà, que ça mission post effectuée. Je passe pas dans un tunnel, c'est juste que j'arrive pas à parler. Il manquera juste deux cadeaux à envoyer, je crois que c'est les 23 et 24. Parce que j'avais plus d'enveloppe, donc il faut que j'aille en racheter. Donc voilà. Et sinon, les cartes de vœux, je crois qu'il m'en reste 3 à écrire. Donc ça vient. Et je crois qu'il m'en reste à recevoir parce que j'ai pris des adresses et je n'ai pas reçu les cartes. Donc voilà, je m'en vais sur Amiens. Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais bien voir. Mais j'aime bien voilà, me promener tranquillement et voir un petit peu. C'est mon moment détente du vendredi. Tu te pousses toi? Allez, fais ton créneau et on n'en parle plus. T'es mal barré. Ouais, il est mal barré. Il va pas arriver à se garer. Pourtant, il y a une place de ministre. Donc, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire la route en musique. Qu'est-ce qu'il y a en musique? Attention, 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 j'allume. Ouais, et on a toujours les appels, SMS et MMS limités pour le même prix. Magnifique. Bon, alors mission enveloppe, ok. Je suis allée chez Action et j'en ai eu pour 17 euros. Magnifique, non? Franchement, j'ai pas acheté grand chose, des enveloppes, des matchs. Je vous montrerai ça en rentrant. Je vais pas faire un haul spécial Action pour si peu. Donc, je vous montrerai ça en rentrant dans le vlog. Rien de bien transcendant, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je crois que quand on va beaucoup chez Action, en fait, on achète moins. Je sais pas si vous me comprenez. Bref. Bon, alors là, il est 11h20. Je suis sur la rocade d'Amiens. Pour celles qui connaissent, je suis allée au Action de Longo. Je crois que j'aille aux actions de shopping combat de la semaine prochaine, je verrai bien, avec la carte cadeau d'Aurélie. Je vais passer chez Réauté, c'est un magasin de chocolat, pour acheter des chocolats pour ma voisine parce qu'elle me prend toujours les colis et voilà, je veux lui faire plaisir, ce qui est normal. Et puis après, bon, on verra bien. Voilà, je pense qu'après, ce sera l'heure d'aller chez les amis pour manger ce midi. Ah oui, c'est vrai, la rocade est passée à 110. Moi qui avais l'habitude de... Bon, allez, il est 14h31, je repars de chez les amis et mon chéri vient de me faire rire parce qu'on part en même temps et il me klaxonne, il recule et il me dit « Bon, j'ai pas fait de bisous, c'est trop mignon. » Donc ce matin, je suis allée chez Réauté, comme je vous ai dit, pour le chocolat. Je vous montrerai en rentrant ce que j'ai acheté. J'ai pris pour ma voisine parce qu'elle me prend toujours mes colis, donc voilà, je fais un petit cadeau à la voisine, ce qui est normal pour savoir remercier les gens. Et j'ai pris aussi des petites choses pour nous, pour goûter un petit peu. Voilà, ce sera juste janvier le chocolat et avec une petite fédération. Puis comme on va avoir du monde, je pense qu'il va passer aussi pour la nouvelle année et tout, offrir un petit chocolat, voilà, donc avancer. Bon, là, je rentre à la maison et il se remet à pleuvoir. Magnifique. Donc voilà, je rentre à la maison et puis je vous remontrerai à la maison ce que j'ai acheté ce matin et tout. Normalement, je fais pas de pause entre-temps, magasin, normalement. À voir. Bon, ben voilà, revenu Damien. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté ce matin. Je vous pose et je vous montre ça. On va commencer par Réauté. Je sais pas si vous connaissez, à première vue, il y a des boutiques à Paris aussi, parce que le monsieur m'a dit qu'il y avait des boutiques un peu dans toute la France. J'ai pris ça pour ma voisine. Ce sont des petits pots à cupcake avec des petits chocolats dedans. Voilà, pour la remercier
de me prendre toujours mes colis et tout ça et tout ça et tout ça. Je pense que je vais monter un peu. Ouais, ce sera mieux comme ça. Et pour nous, j'ai pris de la pâte à tartiner noisette et lait, parce que mon chéri adore ça et puis je voulais lui faire plaisir. Pour mon chéri, je lui ai pris un petit rocher lait comme ça, parce qu'il adore les suchards, donc je vais bien voir si c'est bon ou pas cela. Et pour nous et pour les amis qui viennent et tout ça, j'ai pris des roques aux amandes, comme ça. J'ai pris des chocolats croustillants, maillot lait, carré, cara blanc et cara feuilleté noir. Hop. Et j'ai pris, les petites fins, c'est rigolo, des céréales enrobées, chocolat, lait noir et blanc. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour nous, pour les petits plaisirs du soir ou les petits plaisirs... Voilà, voilà. Et ensuite, je suis passée chez Action. Comme je vous disais, j'y suis allée principalement pour les enveloppes. Donc j'ai pris 3 paquets d'enveloppes comme ça. Il y en a 3, c'est des grandes et c'est 99 centimes le paquet. J'ai pris 3 paquets également d'enveloppes comme ça. Là-dedans, il y en a 5, je crois. Ouais, 5. C'est 99 centimes aussi, je crois. Attendez, je dois avoir le ticket de caisse quelque part, je vais vous dire ça. J'ai pas acheté grand chose, donc ouais, c'est 99 centimes aussi. Ça, ça va me aider pour faire mes envois. J'ai repris celui-ci au bicarbonate parce que mon mari trouve qu'il marche vachement bien. Donc je l'ai repris et ça c'était 99 centimes également. Ensuite, j'ai pris 3 masques. Les petits masques comme ça, c'est des masques, vous savez, avec des petits dessins comme ça. J'en avais jamais vu, donc j'en ai pris 3. J'ai pris celui-ci, avec un papillon et j'ai pris celui-ci avec un peu les trucs mexicains, je crois. Et les masques, c'était 0,67 pièces. Donc le premier mexicain, c'est Relax et Take a Selfie. C'est peut-être tous marqué ça, oui, non. Alors, c'est hydratation... Ouais. Ça, c'est pour l'hydratation à première vue, celui-ci, le mexicain. Ensuite, le Butterfly, c'est pour nettoyer, rafraîchir. Et le Venetian, c'est pour Refresh and South, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, voilà, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pris également, j'avais jamais vu, des petites lingettes déodorantes comme ça. Je vais en glisser quelques-unes dans mon sac à main. J'ai pris une carte comme ceci. Jenny, si tu passes par là, celle-ci, elle est pour toi. Je vais te l'envoyer. Je sais que tu adores les cartes en bois. J'ai trouvé également des petits sachets en lin comme ça, avec des petites feuilles dessus, enfin des petites plumes dessus. J'ai trouvé trop chou, il y en a 3. Et ça, c'était... Alors, 0,79 les 3 pièces. Les masques, je vous ai dit. Les lingettes. 0,79. Et la carte, elle était à 65 centimes. Donc, ça vaut. Ensuite, j'ai pris des gants comme ça. Je l'ai vu dans sur la chaîne d'Addict Amy. Donc, je me suis dit que j'allais tester. Parce que j'ai les mains un peu sèches en ce moment. C'est des gants. Vous savez, ils faisaient les chaussettes pareil pendant un moment avec du gel à l'intérieur. Donc, voilà. J'ai pris les gants. Je vais tester ça le soir avec une bonne crème pour les mains. Je pense que ça peut être top. Et c'était 2,99€. C'est bientôt fini, j'ai pris ça pour chéri pour laver la voiture, c'est une grosse lingette, on peut s'en servir pour la maison aussi, mais elle est hyper épaisse et hyper absorbante, et ça c'était combien, 1,99€. Et j'ai quasiment fini, j'ai repris ça parce que la dernière fois que j'en ai pris, mon chéri a adoré, c'est les spicy peanut mélange, et franchement c'est super bon. C'était pas très cher non plus, ça. C'est combien? Ça doit être ça. C'est 99 centimes. Et j'ai pris 2 barres comme ça au sésame. Donc il y a sésame et peanut. Et sésame et cranberry. Comme ça. 29 centimes pièce. Il y en avait plein dans le Action de Longo. Voilà, j'en ai fini avec mon haul Action. Sur ce, je vais repasser un petit coup d'aspi. Passer un coup sur les sols. Et après, je vous mettrai la vidéo du jour en ligne. Voilà, voilà. Voilà. C'est humide. Ménage fait. Ça aère. Ça sèche. Je vais m'attaquer. Je fais ça rapidement, je suis épuisée. Je vais m'attaquer à aspirer le couloir, la chambre et tout ça et tout ça et tout ça. Comme ça la maison sera propre et après je pourrai me poser tranquille. Voilà, ménage fini. Quel plaisir quand le ménage est fini. C'est propre, ça sent bon, c'est aéré. J'ai allumé les petites bougies. Je me suis servi un petit thé glacé. Celui que vous verrez dans le retour de course en février, c'est la marque Leaf. Ou un truc comme ça que j'ai eu à un Intermarché, je connaissais pas, et il est plutôt bon. C'est du thé à la pêche et il y a la menthe aussi, je crois, mais j'aime pas le thé à la menthe.
Donc voilà, et puis là je me pose, je vais vous mettre la vidéo en ligne pour 16h30, il est 16h donc c'est bon, je vais la programmer. Et puis vous mettre la vidéo, faire la mise en ligne de la vidéo pour lundi, j'ai mon nez qui gratouille. Et puis je vais regarder un petit peu de vidéos et faire quelques trucs pro aussi, donc voilà, allez on continue. Bon, on va préparer le repas de ce soir. Oui, oui, oui. Alors pour ce soir, j'ai des aiguillettes de poulet que je vais faire au lait de coco, je sors tout ce qu'il faut et je vous montre ça. Alors, j'ai mis dans ma poêle du duo d'oignons comme ça, Saint-Éloi. Vous pouvez les mettre en vrai, hein, mais là j'avais la flemme de faire la découpe. Et de l'ail congelé. Donc, hop, dans la poêle, on va remuer un petit peu tout ça avec un filet d'huile d'olive. Donc vous faites un petit peu revenir ça, décongeler ça. Voilà. Une fois que c'est un petit peu revenu, vous allez y mettre les aiguillettes de poulet. Hop, à la barbare, comme ça. Voilà, après, vous les espacez un petit peu, hein, les petites bêtes. Hop. C'est pas évident de cuisiner à une main. Voilà, donc vous les laissez roussir un petit peu en les remuant de temps en temps. Moi, j'adore l'huile de sésame. Ça ne veut pas faire le focus, enfin bref, vous me croyez sur parole, c'est de l'huile de sésame. Donc j'en mets un petit peu parce que j'adore son odeur, donc voilà. Et quand vous voyez que ça commence à roussir un petit peu, vous allez verser le lait de coco dessus. Je mets tout là, j'ai versé tout le lait de coco. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de position sur mon gaz parce que je l'ai mis sur un tout petit gaz. Donc voilà, hop, on fait comme ça. Et maintenant, on va mettre un couvercle. Et on va laisser cuire le temps que, voilà, que le lait de coco prenne un petit peu et le temps d'imprégner un peu tout le poulet et tout, qu'il réduise un petit peu. Donc vous laissez cuire à feu très très doux. Le temps que ça prenne, donc ça peut prendre en général une vingtaine de minutes ça à peu près. Je viens voilà. De accrocher deux lessives. Il faut que j'appelle le coiffeur, c'est plus possible. Mes cheveux sont trop longs, ça m'agace. Et je suis en train de regarder une vidéo de... Attention. Désolée Jenny, tu n'es pas à ton avantage, mais une vidéo de Jenny. Elle va ouvrir le colis qu'Emmadoli lui a envoyé. J'ai trop trop hâte de voir ça. Franchement, si j'avais été comme elle, je crois que j'aurais été comme une folle. Emmadoli quoi. Vite, je vais voir ça. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc à la fin de cuisson, moi je sèle, je poivre, je sale pas et je poivre pas avant. Et je sale et poivre pas trop. Je préfère ressaler dans l'assiette parce que le sel, je trouve que c'est pas très utile. Donc voilà ce que ça donne, bien réduit et tout, ça a l'air trop bon. J'ai goûté, je peux vous assurer que c'est super bon. Et avec, j'ai décidé que j'allais faire ça, c'est ce que j'ai acheté chez Noz. C'est un mélange de riz, couscous et quinoa, donc je pense que... Oula, on va se mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc c'est un mélange de riz, couscous et quinoa de Oncle Ben, je connais pas du tout. Et je me dis que ça peut être sympa de faire ça avec un petit mélange de graines comme ça. Donc je vais le faire cuire pareil, comme ça tout sera prêt quand Chérie va rentrer. On pourra se poser et prendre l'apéro du vendredi soir parce que c'est un peu un rituel en fait de prendre l'apéro le vendredi soir pour préparer le week-end. Et ça m'a l'air bien sympa tout ça. Hop. Et ça se fait cuire comment cette histoire? 12 minutes. Ok, on va faire cuire ça. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous dis peut-être à tout à l'heure ou alors à demain. Coucou mes chouquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi, il est déjà 16h10. On a commencé ce matin par le petit café. Je vous ai pas pris beaucoup parce qu'on a fait plein de choses avec Chérie aujourd'hui. On est allé chercher les cadeaux pour les clients. Donc on a pris du vin. On a pris trois sortes de vin. On a pris un au Médoc. On a pris un Apertus. Et on a pris un Saint-Nicolas de Bourgueil. Et là, je suis en train de faire les petits paquets. Donc, j'ai mes petits paquets. J'ai mes petits trucs bonne année. Et j'ai également les petites pastilles de où on les a eues. Donc, c'est le vignoble à Abbeville. Et ça se trouve pas loin de la gare, pour celles qui connaissent. Franchement, cette cave, elle est vraiment géniale. Donc, on a fait ça. Je suis en train d'emballer, comme vous pouvez voir. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai...
transformé mon sapinou. J'ai enlevé la déco de Noël et j'y ai mis des photos. Voilà, j'y ai mis des photos et j'adore le rendu. Et en bas, j'ai modifié un petit peu aussi. J'ai mis des petites lumières, mes cactus, enfin j'ai remis mes plantes. Donc voilà, j'adore le rendu. J'avais franchement pas envie de l'enlever, ce sapinou. Et pour l'instant, il va rester comme ça, je pense, pour tout ce mois-ci. Et puis en février, je vais bien voir si... si je trouve un autre système ou pas, mais bon, pour l'instant, il va rester comme ça. Chéri est parti jouer avec Birdie, et puis je pense qu'il va faire un peu de drone, parce qu'il faut qu'il s'essaye à son drone. Sur ce, ben moi, je vais continuer mes emballages. Hein. Je me pose et je continue mes emballages. J'ai Rouge à Lèvres qui est complètement parti. Et puis, ben, je vous dis à tout à l'heure. J'ai perdu mes étiquettes. J'aime bien faire ça en fait, ça m'amuse. En fait, j'ai raté ma vocation. C'est travailler dans un magasin que j'aurais dû faire. Mais rien n'est jamais perdu, comme on dit toujours. Qui sait? Ça viendra peut-être un jour. Bon allez, je continue mes emballages. Je vois tout à l'heure. Mon chéri est en train de faire. Il fait voler le drone. Je vais vous montrer ça. C'est le drone que je lui ai offert à Noël. T'es vachement haut. Attendez. Hein? Attendez, j'essaie de vous montrer, mais ça va pas être évident. Et il y a Birdie aussi. On est dimanche, il est 14h30, 14h, n'importe quoi, 16h30 et je sors de la douche, d'où les cheveux humides et la tête encore rouge. Donc voilà, c'est un dimanche, j'ai honte, c'est bon la honte. Ouais non, on s'est levé tard, on s'est levé à 11h, on a petit déjeuner, un gros petit déjeuner qui fait un peu office de repas du midi. Et là, on a fait plein de trucs, enfin on a fait plein de trucs. Façon de parler, on a regardé un film avec chérie après déjeuner et on a regardé ensuite les locations de maison pour les vacances, donc j'en avais mis de côté, donc on les a regardés. J'ai passé une heure là-dessus. On en a, il y en a qu'on a validé et qu'on verra si on envoie un mail ou pas, et d'autres qu'on a enlevé pour diverses raisons, les locataires, les propriétaires sur place, piscine pas assez grande, enfin plein de petites choses. Terrain pas clôturé, tout ça. Là, chérie est partie sortir Birdie, jouer un peu avec elle et faire un jouer un peu avec son drone. Donc voilà, voilà, voilà. Si j'arrive à extraire des images de ce qu'il filme, je vous les montrerai du drone. Mais bon, on verra bien. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que je pense que la journée va être un petit peu tranquillou bilou à la maison sans rien faire et que j'ai pas forcément envie de j'ai pas forcément envie de prendre mon vlog aujourd'hui. Donc je pense que ce vlog va être assez petit par rapport à ceux que vous avez l'habitude parce qu'il était depuis mercredi seulement. Mais je pense que ce sera bien aussi. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une nouvelle fois une très bonne année 2018. Plein de bonheur, plein d'amour, plein d'amitié, plein de bonnes choses pour 2018. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans d'autres vlogs. Et à bientôt dans d'autres vidéos. Salut, salut !